Bonjour, mademoiselle Auchan. Bonjour. Comme vous le savez, la liberté conditionnelle est un privilège et l'une des obligations qui s'y rattache. J'opterai pour une vie simple. Tout ce que je voudrais, c'est un travail simple. C'est deux choses différentes lorsqu'on dit que quelqu'un a été libéré parce qu'il a purgé sa peine et avec une liberté conditionnelle. Lorsque Baloba que Shadrach Moulumba a été libéré, cela veut dire que Shadrach Moulumba a purgé peine inaïe. Chaque terme, chaque chose qu'on prononce dans le droit, ils en ont contenu. Donc Ferre Gola n'a pas été libéré tout court, mais Ferre Gola a retrouvé une liberté provue et une liberté conditionnelle. Cela veut dire qu'il y a des conditions au bassin de Ferre Gola. Tu ne peux pas ça, tu ne peux pas ça. Mais Ferre Gola est avec sa famille. Bazolia, Bazomila, Bagosala ou Bagosala. Mais en termes de sa musique, de parler de sa musique, pour l'instant, Ferre Gola ne peut pas le faire. Comme vous l'entendez déjà, c'est une liberté conditionnelle. Vous savez, en droit, chaque terme a un contenu. Ndéna Bandeko expliquait ici que dans la première phase, Ferre Gola a été condamné par jugement par défaut. Cela veut dire que le jugement wana est revêtu, ça qui était caractère contradictoire. Donc cela veut dire qu'il y a toutes les parties. Donc chaque terme en droit, et ça n'a pas contenu na kati. Et lorsque des choses ont la liberté conditionnelle, il y a plusieurs sortes et formes de liberté lorsque Moto a ça incarcéré ou bien lorsque Moto a affaire devant la justice. Il y a une liberté conditionnelle. Et dès lors que tout ce qu'a liberté conditionnelle, cela veut dire qu'il y a des conditions autour de cette liberté-là. Et dans cette liberté-là, il y a notamment plein de choses. Ferre Gola ne peut pas quitter le sol français. Ferre Gola va rester en France jusqu'à ce que Akoye va copiriger Peninaye. Selon un peu ma condition, et ça a signé à la liberté où il va accorder na Ferre Gola. Notamment aussi, Ferre Gola ne peut pas se présenter na ba grande cérémonie musicale. Vous va comprendre que Ferre Gola ne sera pas à Kinshasa. Ferre Gola sera que dans le sol français. Et Ferre Gola ne peut pas se produire na ba événement moko ya minene. Peut assister. Ferre Gola peut assister à un événement éminent musical. Ferre Gola peut aller en boîte. Ferre Gola a confié la terrasse aux mille locaux. Ferre Gola peut faire ce qu'il peut faire. Mais Ferre Gola n'a pas la liberté de passer à la télé, de parler de sa musique. Ferre Gola n'a pas la liberté de se produire, bien que à Koko quitter sol français. Et maintenant, Ferre Gola doit se prouver, doit démontrer que je suis un bon citoyen. Parce que si ce n'est pas le cas, Ferre Gola va retourner encore en prison. Ferre Gola doit aimer sa fille. Ferre Gola doit être un bon père pour sa fille. Ferre Gola doit bien se comporter avec sa fille. Ferre Gola doit prouver l'affection. Il faut en avoir un comme si rien n'était. Ce qui est un peu cela veut dire que Ferre Gola a été comme ça. Soit il faut que Ferre Gola ait été comme ça. Quand il fait Régola, il est comme encore compliqué. Après, si il y a liberté, on a pas de la loulingue, il fait Régola, à quoi il va se comporter. Mon délai est en haut quand on a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et ça, c'est que mon côté qui est moins dans ma lame, mon délai, lorsque on a un peu de temps, on a fait un peu de temps pour ressocialiser mon temps. Nous sommes en haut de temps, on a un peu de temps, un bon citoyen. La loi est dure, mais ça reste là. Il y a un principe du droit qui dit que nul n'est au-dessus de la loi. Mon mot à la Nicolas Mobeko. Donc, aux à la présidence, au Mobeko et Kanyu et Kanyu. Bonjour, chers abonnés, chers téléspectateurs de notre chaîne YouTube Télé Damaz. Naïbete Bozali, bien, Bipa et Bisson Bozo, Landabisson, dans le monde entier, Napesibino Bambote. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité pour notre grand artiste Ferre Gola pour sa libération en France. Nous sommes là avec Prince Landou. Il va nous expliquer comment était la libération de notre grand artiste Ferre Gola. Bonjour, Prince Landou. Oui, bonjour, Shadrach Moulumba. Bonjour. Oui, Kimezali. Bonjour. Oui, Kimezali. Et mon ami, maintenant, Prince Landou, je pense que vous êtes là témoin de. Maintenant. Parlons un peu, qu'est-ce qui se passe à la vie de l'artiste Ferre Gola? Ok, un grand merci pour la question. Bon, bien que tout ça là qui est en été, mais
nous sommes quand même informés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de notre artiste Ferigola. Ferigola a commencé sa musique Toyebiango Malamu na Wenge musique à 4x4. Donc c'est par Wenge musique à 4x4 Ferigola ibaki komisa ilongi na ye afficher son visage parmi les grands de la musique congolaise. Et après discolocation ya Wenge, Ferigola s'est présenté après ya Weranson. Après, Ferigola a quitté Weranson pour aller par ya Koffi Olomide. Après, chez Koffi Olomide, Ferigola a choisi de faire son carrière solo. Dans le cas de ya ko sa la carrière solo, la musique de Ferigola a été acceptée par des Congolais et aussi partout dans le monde. Et Ferigola aujourd'hui a fait 5 ans sans faire sortir un album au marché. Ferigola a ébaki pour mettre son album Dynasty au marché. Et l'album Dynasty a réussi, un album à succès et ébaki pour battre des records beaucoup pendant la plateforme où était kaka musique partout dans le monde. Et Ferigola dans quatre ya promotion à Kenya en France pour faire la promotion de son album. Il a passé par France, il partait en Guinée et malheureusement, lorsqu'il a commis en France, il a passé à TV5 pour la promotion de son album. L'artiste a bien communiqué. Malheureusement, son passage à TV5 et la Kisaki Longinaye et tellement qu'il y avait un problème au niveau de la justice française, il a dit qu'il a été lorsque alekaki na TV5 et magistrat ou azalaki na dossier na ye ayebaki komona même moto aza recherché na justice française et comme mandat d'arrêt azalaki déjà délivré contre l'artiste Ferigola, c'est ainsi Ferigola ayebaki kokanga ye. Bon, les problèmes azalaki yaye na un de ses proches ayebaki ko agresser un de ses proches Funda qui est et l'affaire était devant la justice. Malheureusement, encore que l'artiste Ferigola avait changé l'adresse. Lorsqu'il a changé l'adresse, a signalé quitter. Et dès lors qu'il a signalé quitter, bah courrier nous se bande qu'il a une adresse yakala, donc bande qu'il atteindre y était. Et ainsi, lorsque a se présenté qui dans TV5 directement. Le magistrat, Monaki Visage Naye, a lui même monté et a recherché par la justice française. Et après cela, Ferigola a été arrêté. Ferigola a été arrêté parce qu'il y avait déjà un jugement rendu par défaut. Donc cela veut dire que jugement par défaut, donc Moutou, Bakatili Kambounaye, sans pour autant se présenter devant la justice. Donc tu étais absent. Lorsque les Cambounaïs étaient tranchés dans la justice, c'est ainsi en termes de droit, on dit jugement par défaut. Donc sans pour autant, jugement et revêtir caractère contradictoire. Parce que tout jugement doit avoir ce caractère contradictoire. Cela veut dire que yo quitte toutes les parties. Mais Ferigola, pour son cas, il n'a pas été écouté. Ainsi, un jugement par défaut a été rendu à sa personne. Et maintenant, comme le jugement a été rendu par défaut, mandat d'arrêt aussi a été déjà lancé contre cet artiste. Et Ferigola, dès lors qu'il a commencé dans le sol français, il était arrêté. Et aujourd'hui, Ferigola a retrouvé sa liberté. Après plus de 60 jours incarcéré au niveau de la prison en France, et aujourd'hui, Ferigola a retrouvé sa liberté. Belle chose pour sa musique, belle chose pour son carrière. Et nous pensons que ça va aller. Mais c'est une liberté conditionnelle. Bande ko basé belé bazolanda biso bayebete ke bayebi mingi bayebete ke za liberté liberté conditionnelle plutôt. Mais baza ko mituna Ferigola, il va revenir à son pays d'origine ou comment? Bon, comme vous l'entendez déjà, c'est une liberté conditionnelle. Vous savez, en droit, chaque terme a un contenu. Dieu n'a pas expliqué ici que dans la première phase, Ferigola a été condamné par jugement par défaut. Ferigola a été condamné par défaut. Lorsqu'on dit condamné par défaut, on attend déjà que cela veut dire que jugement wana est revêtu, ça qui était caractère contradictoire.
Donc cela veut dire bayoka ki toutes les parties t. Donc chaque terme en droit ezan na ba contenu na kati. Et lorsque des choses ont la liberté conditionnelle, il y a plusieurs sortes et formes de liberté lorsque moto asa incarcéré bien lorsque moto a affaire devant la justice. On parle souvent boyoka ka pe na liberté provisoire et condamnation avec sursis. Donc pour les cas de Ferrigo là, on ne sait pas. On aimerait se limiter par rapport à communiqué lancé par son avocat. Ferrigo là a été condamné par défaut et Ferrigo là on ne sait pas ce qu'a été condamné par sursis. On ne sait pas Ferrigo là a été condamné combien d'années, combien de mois. On peut que attendre ce que communique son avocat. Et l'avocat de Ferrigo là a communiqué à lui que Ferrigo là a retrouvé une liberté conditionnelle. Donc, si Ferrigo là a une liberté conditionnelle. Et dès lors que tout ce qu'a liberté conditionnelle, cela veut dire qu'il y a des conditions autour de cette liberté-là. Et dans cette liberté-là, il y a notamment plein de choses. Ferrigo là ne peut pas quitter le sol français. Ferrigo là va rester en France jusqu'à ce que Akoye va copiriger Peninaye. Selon un peu ba condition oyo et ça a signé à la liberté oyo ba accordé na Ferrigo là. Notamment aussi Ferrigo là ne peut pas se présenter na ba grande cérémonie musicale. Ferrigo là ne va pas se présenter là, Ferrigo là ne va pas se produire na ba grande production même si que problème il y a musique il y a Congo toyebi avec le combattant notamment Babo Ketchou et tant d'autres ou Balingakate aujourd'hui ba musicien congolais va se produire dans niveau il y a espace Schengen parlant de France et Belgique en même temps l'Angleterre mais aussi Ferrigo là ne peut pas jouer sa musique dans le sol français bien que Hazan a liberté donc c'est une liberté conditionnelle. Ouais, merci beaucoup, Prince Landou. Mais il y a l'un des téléspectateurs, où il y a l'Andaka Damas Télé. Non, c'est Ezaba fausse information parce que à l'Obézaba Bloco et Facebook, Ferrigo là n'est pas encore libéré. Donc, vous pouvez nous expliquer c'est quoi au juste pour la vie de l'artiste? Ok, bon, bien que problème Oyo, Ezala qui problème Oyo, Ezala qui quelque chose qui s'est passé au Ferrigo là, Yemoko Linda qui. À s'approprier Nango parce que ce sont des choses un peu privées. Ferrigo la linga qui est resté privé bien qu'un artiste aza montoaza ya batunyoso et montoaza pour na montunyoso mais le problème avec Ferrigo là c'est problème à linga qui est un peu ezala privé. Bon Ferrigo là n'a pas voulu vraiment ezala trop communiquer batuba yé bango penza na bosindo. Déjà qu'on déjà que on ne sait pas ce que Ferrigo là a été condamné avec sursis, ce que Ferrigo là a été condamné comment. Mais en parlant déjà d'un jugement par défaut, il dit que Mouta se présenta qui était devant le tribunal. Et comme Mouta se présenta qui était devant le tribunal, c'est très difficile pour que le tribunal ait condamné Mouta avec sursis. Donc c'était tellement difficile pour tout le monde que condamnation à Ferrigo là et ça sur et ça avec sursis parce que Ferrigo là n'a pas coopéré avec la justice. Donc parce que justice y est batté que yo changea qui adresse. Justice y est batté que yo longwa qui bisiko ozalaki ozali sur le sol français tozan à Kinshasa ou pas. Il faut aller signaler à la justice que na longwa na sol français que na longwa na adresse nazalaki maintenant nazana esika mususu na zovanda. Et maintenant pour la justice justice est aussi marrant que Ferrigo là n'a pas coopéré avec la justice. Et quand il n'a pas coopéré avec la justice, il y a des choses où il y a aussi privées. Nayo devant la justice. Et Ferrigo là, dans sa condamnation, on ne peut pas s'attendre que Ferrigo là a été condamné avec sursis. Parce que Ferrigo là n'a pas été coopératif avec la justice. Donc on peut dire que on attend jusqu'à ce que communiqué officiel et qu'on allait communiquer nous on peut que rester être borné autour du droit. Merci beaucoup Prince Landou. Merci à Samolovitch Kiliamoudou qui nous suivent. Prince Landou, Ferrigo a été arrêté après même pas même 2 mois après son album. Donc Abimissi album après il est arrêté. C'est un peu flou. Vous voyez, c'est un peu fou. Vous pouvez nous éclaircir, c'était vraiment quoi?
C'est quoi pour la vie de Ferrego là? Même pas 3 mois après son album. Les affaires Yakala, comme on a entendu son avocat, les affaires Yakala. Ferrego là, abandé qu'on soit courrier pour cette affaire là. Mais dès lors qu'a changé adresse, ndeye koko tsapito pale. Bakangi Ferrego la te po abimisa ki album. Bakangi parce que agressa ki un de ses proches. Et un de ses proches là, l'affaire a été portée devant la justice. Aza la proche na yo, aza la moana na yo, aza la tata moisi na yo, aza la qui que ce soit, tout le monde est libre d'aller rester en justice. Donc nous sommes bornés autour du droit, nous sommes bornés par rapport aux informations lancées dans la voie officielle un peu dans cette affaire de Ferrego. Merci beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs. Naza sir ke bolandi biso mala mubo ki prince landundenge a pesi biso ba information eza basé pour la libération de notre grand artiste Ferrego là. Maintenant déjà faut faire comprendre un peu naba téléspectateurs et ba tunyos ba zola landa biso va comprendre que Ferrego là ne sera pas à Kinshasa. Ferrego là sera que dans le sol français. Et Ferrego là ne peut pas se produire na ba événement moko ya minene. Peut assister. Ferrego là peut assister na ba événement minene musical. Ferrego là peut aller en boîte. Ferrego là akofa na terrasse au meleloko. Ferrego là peut faire ce qu'il peut faire. Mais Ferrego là n'a pas la liberté de passer à la télé de parler de sa musique. Ferrego là n'a pas la liberté de se produire, bien que à Koko quitter sol français, même aussi en France, Ferrego là ne peut pas se produire parce que c'est une liberté conditionnelle. Donc il y a des choses oyo, même si Ferrego là ko sala, il y a des choses oyo, même si Ferrego là au Koko sala té. Et maintenant cela va jouer beaucoup plus na liberté na ye, to na ko arriver ya ko purger peine na ye. Parce que Ferrego là n'a pas purgé sa peine, mais Ferrego là a été accordé, bien on lui a accordé une liberté conditionnelle. C'est deux choses différentes lorsqu'on dit que quelqu'un a été libéré parce qu'il a purgé sa peine et avec une liberté conditionnelle. Lorsque Baloba que Shadrach Moulumba a été libéré, cela veut dire que Shadrach Moulumba a purgé peine inaïe. Chaque terme, chaque chose qu'on prononce dans le droit, ils en ont contenu. Donc Ferrego là n'a pas été libéré tout court, mais Ferrego là a retrouvé une liberté provisoire et une liberté conditionnelle. Cela veut dire qu'il y a des conditions au bassin de Ferrego là. Tu ne peux pas ça, tu ne peux pas ça. Mais Ferrego là est avec sa famille, Bazolia, Bazomela, Bakosala ou Bakokosala. Mais en termes de sa musique, parler de sa musique, pour l'instant Ferrego là ne peut pas le faire. Ouais, merci beaucoup. Mes salutations à Lamia Timba qui est à Paris. Soutenez Kings 9 Création. Maintenant, Prince Landou, on peut dire quoi? Là, c'est de coincer l'artiste et faire égo. Bon, la loi est dure, mais ça reste la loi. Il y a un principe du droit qui dit que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, aux à la présidence, au Mobeko et Kangu et Kangu. Aujourd'hui, tout le monde n'a qu'à Donald Trump persécutionné. Donc, lorsque Okoui na Mobeko, aux à la roi, aux à la président, aux à la musicien, aux à la pasteur, aux à la qui que tu sois, Okoui na sa Mobeko, Mobeko koui ba ko yeba ko koui alikolona, ou peu, Okoui ba ko kangama. Ce n'est pas parce que Ferrego là ou. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, maintenant là, Prince Landou. Maintenant, les problèmes de Ferrego là étaient avec sa famille, avec sa fille Ozias Gola. Maintenant, comment il peut vivre avec sa famille? Bon, ça parmi le terme, il y a la condition aussi demandée à Ferrego là. Ferrego là, vous voyez, mon délétant à Kanaramoto, bien que Valère Wana aujourd'hui n'a pas prison, n'a pas Afrique, exacté. Lorsqu'on dit Moutoua Kéi, peut-être que le Baramakal, hein, ils ont un centre de rééducation. Bon citoyen. Et maintenant, Ferrego là a été arrêté parce que agressa qui bonde au lobby wana que moi n'en ai Ozias. Et maintenant, Ferrego là doit s'éprouver, doit démontrer que je suis un bon citoyen. Parce que si ce n'est pas le cas, Ferrego là va retourner encore en prison. Ferrego là doit aimer sa fille.
Frère Ekola doit être un bon père pour sa fille. Frère Ekola doit bien se comporter avec sa fille, Ozias Gola. Parce que ce qui ce n'est pas le cas, la fille a encore la possibilité de saisir encore la justice et l'affaire peut devenir encore compliquée pour la Frère Ekola. Frère Ekola a la liberté, mais Frère Ekola a des choses qu'il doit faire. Oh, bah, c'est guillé. Frère Ekola est que papa, il y a Ozias. Frère Ekola doit prouver l'affection. Il faut avoir un mouana, un comme si rien n'était. Soit bandit ma méchanceté naïe, cela veut dire que Frère Ekola a un comme compliqué. Ce qui a bandit qu'on pète à l'issue, moi, cela veut dire que Frère Ekola a un comme compliqué. Soit bandit qu'on gagne la délégation, moi, cela veut dire. Quand il y a fait Ekola, il y a comme encore compliqué. Bah, pécier liberté, on n'a pas tant la lolenge, fait Ekola, à quoi il va se comporter auprès de Mwanawana. Cela veut dire que ce qui fait Ekola s'est mal comporté durant ces temps-ci, dans Mwanawana, cela veut dire que fait Ekola va retourner en prison. Mounde le temps à Okanga Moto, à Oluka Bongisa Moto. Et ça, c'est que Okota qui Mwana Malamo, Bimi Kulo na te. Mundele lorsque tu as un peu de moto, afin de re-socialiser moto. Quand tu as un bon moto, tu as un bon citoyen. C'est un peu ça, le Mundele a l'air de la lorsque tu as un moto. Tu as un peu de temps de curieux, tu as un peu de temps en prison pour rien. Non, parce que tu as un bon citoyen. Merci beaucoup, Prince Lando. Okay. Maintenant, là, sa fille. Sa fille Ozias Gola, lui, elle aussi doit avoir une tête capitale pour la manière avec son père. Comment elle peut aussi se comporter maintenant après la libération de son père? Bon, Ozias n'a pas vraiment un problème. Parce que dès que le cas de Solo, Ozias, à Kendaka, vous mettez les classes, ça va être triste. Après, Kobetama, pas et papa n'a fait l'école. Et lorsque fait l'école, la bête a été mise en classe, ça a été triste. Et les abba madame n'a pas eu de bâtiment qui a fait ma maman qui a eu la justice. Et pendant que ma maman a eu la justice, en ce temps-là, Ozias est un mineur. Donc Ozias n'a rien à voir dans ces choses. Ozias doit se comporter comme une fille à son papa. C'est un peu ça, Ozias, aux alana à l'aise. Le problème est justice, ça a été fait. C'est à faire Ekola de bien se comporter auprès de sa fille pour que Bamona réellement faire Ekola a été rééduqué. Faire Ekola c'est une bonne personne. Faire Ekola c'est un bon citoyen. C'est un peu ça. Donc Ozias n'a rien à voir dans ces choses. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Na pesi mbote na bande ko balandinyo sotu ya télé Damaz. Sali à ma maman, sali à tout le monde qui nous suivait partout dans le monde entier. Prince Lan, vous pouvez nous dire des mots de la fin. Non, un grand merci à vous, Chatrak Molomba, de nous avoir accordé cet espace. Peut-être qu'on a apporté aussi la connaissance na bande mousso baza, peut-être en matière wanate, bayeba. Un peu la différence des mots sur le droit. Donc, un grand merci à vous tous au Bolandi Bisso, un grand merci à Teddy Timba, Claudia Ndouzi Lipas à Teddy Timba, Balandi Minen et à Damas Télé. Nous vous disons un grand merci pour Zaki Bélé à Bolanda Bisso, Fouikipé, la Bédri, Okabwe, Yannick Mbadou, sans oublier, moi, Univers Télé. Univers Web. Ok, Univers Web, Bédri, Okabwe. Sans oublier, moi, Nasuka Basalo, Glody Mozo. Le grand journaliste de Bani Kalabanza. Bon chapeau à toi, Bani Kalabanza. Merci, on vous dit bye.